Salut les gaufrettes! Ben maman, qu'est-ce que tu fais? La session commence là? Oui, justement, je regarde un peu le calendrier pour trouver un thème. Ah ben oui, c'est une bonne idée ça. Alors? Ouh, regarde! Dans moins de 2 semaines, c'est la chandeleur. Nous avons déjà proposé notre recette de crêpes façon maquis. Qu'est-ce qu'on peut proposer? J'ai une idée. Tu n'auras qu'à me suivre. Découvrons ça ensemble avec le jeu de cette semaine. On se lave les mains et direction cuisine. Pour la pâte, il faudra 250 g de farine, 4 œufs, 50 cl de lait, un sachet de sucre vanillé et une pincée de sel. Dans un cul de poule, je mélange la farine, le sucre vanillé, le sel et les œufs. J'ajoute le lait progressivement, tout en mélangeant. Ça part au frigo pendant 1 heure. Je fais les crêpes et les mets de côté. Pour la crème pâtissière, il faudra 4 œufs, 50 cl de lait, 125 g de sucre, 50 g de farine et 2 gousses de vanille. Dans un cul de poule, je bats les œufs et le sucre. J'ajoute la farine tamisée et je mélange. Dans une casserole, je fais chauffer le lait avec les gousses de vanille fendues et grattées. Dès que le lait bout, je le retire du feu, puis ôte les gousses de vanille et verse sur la préparation précédente en fouettant vivement. Je remets le tout à chauffer sur feu vif, sans jamais cesser de remuer jusqu'à ce que le mélange épaississe. Je tapisse de film alimentaire un moule de la taille de mes crêpes en faisant dépasser sur les côtés. Je dispose une crêpe dans le fond et recouvre d'une fine couche de crème encore tiède. Je renouvelle l'opération jusqu'à épuisement des ingrédients en finissant par une crêpe. Je rabats le film alimentaire en tassant légèrement. Ça part au frigo, minimum 3 heures. Eh ben, ce ne sont pas de simples crêpes, dis donc. Nous sommes sur de la gourmandise, plus, plus, plus. Ça change un peu, c'est délicieux et idéal pour recevoir. La nouvelle année est bien enclenchée et vous pouvez toujours gagner des fiches recettes.
tout simplement en nous suivant sur nos réseaux sociaux et en jouant au rébus et aux charades. Pour trouver nos réseaux sociaux, déroulez la barre d'infos. Session terminée, on se retrouve dans 2 semaines. Bonne chandeleur! Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et liker sans modération. Gros bisous, à bientôt dans une prochaine vidéo.